Ton ami, depuis là, t'as pas fait signe, t'as pas donné sa position. Je sais que quoi. Autant je l'ai appelé il y a de cela une heure de temps là, il me disait qu'ils étaient déjà en chemin. Je ne sais pas pourquoi depuis là il n'arrive pas ici. Toi, il fallait aussi un peu essayer de contacter même sa femme là. Tu n'as pas son numéro. Allez la voir. Moi, je voulais lui laisser un message, mais je me rends compte que la dernière fois qu'elle était connectée, ça fait bien. Je n'ai pas laissé un message. Ouah, mon amour, mais il y a des WhatsApp qui sont aussi réglés. Tu peux lire là que ça fait 2 jours qu'elle était J'ai même mis connectée. bonjour, Ah, mais c'est seulement entre. donc ça veut dire qu'elle n'a jamais été connectée depuis 2 jours. Ah, je vois, je vois. Ok, c'est pas grave, on continue Il y a des d'attendre. choses à faire, on va attendre jusqu'à 15 jours. Attendons encore un peu, essayons de voir même encore 15-20 minutes. Et ils ne tombent jamais à l'heure que tu parles, tu peux la motiver. Là, alors, te dire quoi? Un couple de retardataires, partout où on s'en va, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on va Toujours. te venir prendre l'argent. Voilà. Ils vont tarder, tarder comme ça, ils vont louper l'argent. Non, vraiment pas le sens de l'exactitude. Donc, je sais pas. On appelle ça en bon français, quoi, souvent là. Quand quelqu'un est toujours à l'heure. Ils ne sont pas ponctuels. Voilà, la ponctualité. Ils ne sont jamais ponctuels. Ce n'est pas bien ça. C'est toi qui as fait français à l'école, c'est toi qui es allé loin avec les longs crayons. Moi, je n'ai jamais été aussi loin que toi. Donc, la ponctualité, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Ah, vieux frère. Oh, frère. Ça comment? Ça va. Okay. Ok, soyez les bienvenus. Merci, merci beaucoup. Soyez les bienvenus, mon frère. Comment vous avez aimé comme ça? Ah, merci. Toi aussi, toi. Partout avec tes habits, toi, tu as fini même. Ça va bien. Tu as fini les bijoux avec tes. C'est le couple, non? On connaît, on connaît. Tu es tout comme ça. C'est jusqu'à la mort. Non, ça va. Ça va. Vous étiez d'abord seulement en train de faire les enfants avant de venir. Tu sais qu'elle est toujours. Quand elle entre dans la chambre pour s'apprêter, elle peut faire 4 heures de temps, 8 heures de temps. Tu viens chez ton beau-frère d'amour, même pas une bise. Tu es là seulement à te faire approcher les choses. C'est comment alors? Non, non, ça va, ça va, ça va. Et vous-même? Apprenez quand même souvent à être ponctuel. C'est comme ça que vous allez rater la jour. Vous non. Vous exagérez, même quand tu vas vous au paradis, vous allez arriver en retard. Vous êtes allez trouver que la porte est déjà fermée. Non, ça va, on a compris. C'est pas bon. On a compris, c'est bon. Et aussi cette habitude que vous avez toujours. Je t'ai déjà dit ça, vieux frère. Quand on s'élève, on dit qu'on va rendre visite à sa famille. On a toujours une petite bouteille. Ah oui, oui, on a pensé. Pour on a nous, pensé. Pour les hommes qui ont eu à vivre, on a voyagé. Je devais m'arrêter quelque part dans une cave. Il fallait avec le retard, avec le retard là aussi. Tu sais que madame aime bien du Cantelou. Non, il n'y a pas de problème. Moi, après, j'apprécie bien du J.P. Chenet. Il n'y a pas de problème. Après, il y a quand même quelque part ici. Oh, oui, oui, oui. Ouais. Bon, en même temps, moi, je ne bois pas actuellement, je t'avais dit là. Ah oui, tu m'avais dit. Tu as un petit souci là. L'estomac qui me dérange un peu beaucoup tout ce dernier temps. Donc, j'essaye un peu de boire. Moi, je bois au froid. Donc, ça veut dire qu'on va donc repousser alors la date du voyage, vu que tu n'es pas en santé. Oui, parce qu'à principe, nous, on venait planifier un truc, on voulait qu'on aille faire un 3 crevilles. C'est quand même. Oh, les gambas! Mais attendez! Est-ce que c'est une bonne chose ça quoi, on dit que ça pour avoir avec la l'affaire. Je ne suis pas malade que malade, l'estomac me dérange. Non, je vais prendre du Bavaria, des choses non alcoolisées. C'est tout, c'est pas un souci. Ceux qui vivent sans alcool la font. Est-ce qu'il meurt? C'est pas grave. Vous allez boire. Il y a le cigare, une nouvelle boîte qu'on appelle le cigare qu'on a là-bas. Ah, le cigare. C'est une nouvelle boîte, ouais. Mais on va donc là-bas avec des cigares en main aussi. Oui, c'est ça, non. Tu n'es pas malade, c'est tout. On a parlé de l'alcool et non de la fumée. Mais attendez, vous allez seulement chercher quoi jusqu'à vous avez les gros projets comme ça. Non, attends. Ça fait combien de temps on ne s'est pas retrouvé? Les enfants sont là, les enfants nous dérangent, la famille. Quand même, éloignons-nous quand même de lui. On va un peu voir entendre les bruits de la mer, c'est quoi? Il ne faut pas toujours rester là. Bon, on a planifié et on a pensé à vous. On dit que bon, on ne peut pas quand même aller nous deux seulement. Mais bon, non, ça nous bon. Fait vraiment plaisir de savoir que vous avez nous introduit dans vos projets. Nous sommes vraiment ravis. Donc, il n'y a pas d'ennui, c'est ça la famille. La famille, la famille dans tous les cas.
Donc dites-vous déjà, c'est un rendez-vous. Et c'est programmé pour quand? Voilà, c'est un rendez-vous calé. Il n'y a pas d'ennui. Il a fait les réservations. Il n'y a pas d'ennui, ça veut dire. Non, je ne serai même pas, je ne suis pas au travail. Parfois il faut ça, parfois il faut ça. C'est pas tout comme provient. Un vieux frère. Un vieux frère. Dis donc. Ah, quand tu es toujours là avec eux. Dans tous les cas. Tu fais tout ta musculature là. Mon frère, Tom, tu vois là. Le mec est toujours là. Je t'ai dit, c'est jusqu'à 76, 78 ans. Maman, tu t'en sors. Quand je vois aller dans la salle de gym, c'est si. Je vois là, tu vois. Tu vois. Je vois dans la salle de gym. Non, elle refuse. Elle refuse. Alors que je t'ai toujours dit, tu as de bons biceps naturellement. Elle refuse. Elle veut qu'ils soient taillés comme ça. Est-ce qu'elle comprend ou quoi? Chacune a ses goûts. Non, dans tous les cas, c'est pas un souci ça. Je sais pas. Et tu as dit qu'on partait à la cave après, non? Oui, il y a pas. Bon, voilà, donc ce qu'on fait donc là, je vais d'abord essayer de vider la vessie. Tu sais qu'on m'a fait savoir qu'il ne fallait pas que je reste longtemps avec l'urine. C'est pas aussi bien pour la prostate. Non, je n'ai pas la prostate. Non, j'ai pas. Il dit c'est ma femme m'aide dans ce sens. Je t'ai toujours dit qu'un homme de mon âge comme ça, comme toi, tu ne veux pas comprendre. Il faut servir, hein. C'est au moins 144 fois. 144 fois par mois. Minimum. Tu comprends un peu? C'est ça. J'essaie un peu de donner à boire au canard. D'accord. J'arrive. C'est la compétition. Allez. C'est moi, on fait la Champions League de ça. Alors, madame. Macron, les couleurs, c'est quoi? Il y a un terre, ou bien. Non, vraiment, c'est frit. On part pour se détendre, pour s'arranger vraiment. J'ai dit tout ça bon. Non, sauf les garçons. Les que les garçons, c'est veste de jeune. Ok. Complète jeune. Tout ça, c'est facile à acheter une veste jeune récemment. Avec l'âge bon. Pardon, il faut le. Tu vois, le col là. Ton col, tu appelles ça col. Vous voulez se marquer les jumeaux. Voilà, col roulé. Quand vous voyez pas, c'est comme les jumeaux. Voilà, col roulé, ouais, c'est comme ça. Donc, vous, on s'en fout. N'est-ce pas? Ok, c'est bien. Il faut qu'on vienne à l'aide, Marie. Non, ça va. Si je vais vraiment me voler, toi aussi. Je vais quand même chez toi ici. Voilà. Alors, madame, c'est comment alors? Mon beau frère, me voici malgré les difficultés de la vie. Alors, comment toi aussi tu mets du temps comme ça? Tu es pas sûr. Hein? Ça fait comme ça les gens, c'est madame m'a vu sortir et c'est très bien qu'elle suis venue ici. À un moment donné, elle peut se dire là que bon, comment j'ai déjà mis tant de temps comme ça. Est-ce que mon m'a pas vu sortir? Ça fait quoi? C'est comment? Quand tu es là depuis l'âge de lance, les petits yeux d'où là et tout, tu fais ça. Mais j'attendais que tu te lèves. Tu esquives toujours, il faut m'arrêter ça. J'attendais que tu te lèves, c'est quoi? Il faut m'arrêter ça, c'est comment? Je suis là, ça fait longtemps, tu me gères plus. Je ne te gère pas que toi, mais tu as mon temps. Chaque fois que je dis que je veux être avec toi, qu'est-ce que tu me dis? Que le mec, il est toujours là, il est toujours là. Hein? Et à quoi? Tu ne peux pas toucher, tu sais. Justement, c'est ça que je veux. Comme je te touche habituellement. Et tu me manques déjà, vraiment. Ouais. Et on se le fait quand même. Quand tu veux, moi, je suis je vais venir pour voyage ici. Tu veux pas te chercher un peu à crédit? Quand on parle juste pour s'amuser, là, c'est l'occasion, moi, de nous choses tranquilles. Voilà, ma petite bandit. Les enfants vont bien. Non, les enfants vont bien. Ils sont même déjà là en congé. Ils sont allés en vacances, je veux vraiment bien. Je te dis, ça me donne le temps de me reposer, de récupérer aussi. Parce que les 9 mois de classe là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, je souffle aussi. Ah, c'est normal. Ça tombe bien que vous avez programmé de nous emmener, nous balader un peu. C'est qu'on a un peu se distraire là, pour détendre. Non, ça fera vraiment du bien au corps et à l'âme. Le fait de rester toujours là, les enfants dérangent, la famille, à un moment donné, elle dit que non. On va un peu comme ça là, nous quatre là, personne ne sait où nous sommes. Il reste juste tu peux excuser. Ah, c'est pas facile. Depuis que... Elle est partie. Tu as su qu'on a les toilettes de derrière là. Ok, est-ce que c'est ça pour mes problèmes? On a les toilettes, non?
bon. Faire, essaye un peu donc, de faire le tour. Est-ce qu'elle va se faire toi et ta femme? Il y a qui n'a peur. Faut qu'il avait ma femme comme ça, comme les blagues. Mieux. Okay. Toi, tu ne blagues pas avec ta femme, Massa. Hey. Ok, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est parce qu'ils sont là dedans, tu sais que moi, j'aime faire ça. Oui, c'est trop fort.